bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, c'était avec AES, c'est tout ce joli épisode numéro 20, ça y est, on atteint la vingtaine, oui. Pokémon version éclat pourpre, la Acrom de Pokémon version éclat pourpre, donc la Acrom faite par Misty Mickey. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire avant de commencer cet épisode. Tout d'abord, ma ROM a un peu bugué, là, malheureusement. Pour vous faire un peu le topo, j'ai dû supprimer toutes mes hyper potions puisque ça a bugué, hein. Ça a bugué, ça a fait bugger la ROM. Et mon nom, du coup, mon nom a changé, hein, voilà, je m'appelle Luc avec une flèche. Donc c'est un peu chiant, je vous l'avoue. Voilà, je m'appelle Luc maintenant, et non plus Lucas. Et puis voilà, ça pourrait tout. Ah oui, aussi, quand je sauvegarde et que j'annule, ça fait bugger le truc, comme on peut le voir là, voilà. Ici, ça fait bugger. Mais ça revient après, hein, vous inquiétez pas. Donc, je sais pas si votre option c'est pareil ou pas. Non, c'est plutôt quand on sauvegarde. Donc voilà, c'est un peu. J'espère que c'est pas trop grave parce que j'aimerais bien que les play continue quand même. Bref, on va donc aller à Porygyr. Pourquoi Porygyr, me direz-vous? Et là, vous allez avoir la réponse dans quelques instants. Parce que on a oublié de faire quelque chose dans l'épisode numéro 18. Ah oui, en fait, un autre bug que je vais vous montrer, c'est des fois quand je vais dans le PC. Ah oui, voilà aussi, voilà. Bah les Pokémon sont buggés dans la boîte, hein. Ah oui, j'ai capturé un Electrum Shiny off. Là c'est pas le cas, mais des fois les Pokémon dans les boîtes sont buggés. Est-ce que c'est... Non, là c'est pas le cas. Voilà, et du coup vu que mon nom a changé, bah du coup maintenant ça m'est rencontré apparemment. Vous avez pu rencontrer... voilà, parce que vous voyez là c'est le nom, c'était bien l'ancien nom. Et l'Electrum, je l'ai attrapé en off. Alors pour prouver que c'est le cas. Bah du coup lui il a mon nouveau nom là, donc maintenant c'est chiant, voilà. Et mais c'est pas apparemment là, c'est au contraire, donc c'est un peu chiant. Et du coup voilà vous avez, c'est Luc et après S allume le PC, voilà. Et mon nom a bugué, donc j'ai essayé de demander à Miss, mais le problème c'est qu'il est il est actuellement disponible pour le moment. Et voilà, donc ça commence. C'est pas très grave si c'est que ça. Mais bon, on va acheter des Pokéballs. On va acheter une dizaine, ouais. Est-ce que je peux vendre des objets? Bah, je vais vous le faire. Est-ce que je sais plus? Non, on peut pas vendre d'objets. Ah oui, et en off, j'ai expliqué mon équipe niveau 50, comme je l'ai dit, je vous montre le résultat. Ah, et voilà, elle est XP. Donc là, il y a les Arcanins qui. Je sais pas si on est au niveau 50, 51, 50, 50, 51 et 49. Au début, j'ai mis 49. Voilà. C'est pas très grave non plus en soi, mais voilà. Donc, je sais ma team fait et on va faire quelque chose après. Qu'on n'a pas fait dans l'épisode précédent, ni dans l'épisode d'avant, ça aurait dû faire dans l'épisode d'avant. Mais je le savais pas en fait. C'est que du coup, en fait, au niveau du phare. Il y a quelque chose à faire. Vous vous rappelez d'un Pokémon qui est attiré par la lumière du phare? Je ne sais plus trop quoi. Et ben, c'est ici que ça se fait. Du coup, on va se garder. Là, le bug, il va avoir lieu encore avec le prénom, vous allez voir. Voilà, lui, S, ça se garde à part. C'est dommage. On va d'où vient ce bug. Enfin, c'est un problème de patch, hein, je pense. Bref, on va. J'espère que ça va pas s'aggraver, c'est tout ce que je demande. Ça reste comme ça, ça me va. Donc, du coup, voilà. Une silhouette gigantesque s'approche du phare. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon gigantesque? On dirait bien que Yo avait raison, le phare a dû l'attirer. Et oui, c'est un Dracolos. Niveau 55. Eh oui. Donc, c'est plutôt pas mal. La Fury Protect. On s'en fout un petit peu. Hein. On va l'attraper, mais je vais pas le mettre dans ma team parce que. Je ne vois pas l'utilité en fait, ma team est déjà très bien comme ça. Voilà, si tu fais une protect à l'infini, moi ça me va perso. Allez, encore une machouille. Ok, mais il est un peu bête, hein. C'est un Pokémon sauvage, hein. Ok, nickel, t'es dans le rouge. Pouvoir donc. Souplesse, d'accord. Poudre dodo. Ah, forcément, oui. Voilà, vous savez, ça veut reporter que ça marche plus, donc c'est parfait. Ok.
suis un peu dans la merde là. On va tenter les Pokéballs comme ça, puis sinon on refait le combat, c'est pas un problème. Ah oui, forcément, oui. Oui. Voilà, nickel. Il est pas très difficile à attraper. En fait, je l'ai appris grâce à une vidéo que j'ai regardée. Simplement. Et je considérais qu'il était pas difficile à attraper, donc c'est cool, hein. Avec une poudre de dos, on l'aurait encore facilement. Alors, les données de Dracolos sur le Pokédex, malgré son poids et son physique imposant, Dracolos est capable de voler et peut faire le tour du monde en 16 heures. C'est bien. 2m20 et 210 kg, d'accord. Non. Tiens, ce Pokémon a laissé tomber une écaille. Écaille Inc. Écaille Inc. Qu'est-ce que c'est, écaille Inc? Je sais pas ce que c'est. C'est... Non, c'est objet normal, d'accord. Une écaille étrange, il faudrait la faire identifier. Ok, bon, on verra ça plus tard. Alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, maintenant, on va utiliser notre rencarnage pour voler à la nouvelle ville. Parce que là, ça y est, hein, j'y suis allé en off à la nouvelle ville, hein, Valsecas. Vous allez donc la découvrir avec moi. Mais je l'ai pas visité, par contre. Voilà. On va la visiter à fond, vous inquiétez pas. On va voir le Dracolos en off. On va voir le Dracolos qu'on vient d'attraper ce soir. Si j'appelle n'importe quoi, c'est mal, je suis pas dans une forme olympique. Voilà, Dracolos femelle, oui. Brave, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, la vitesse fait vraiment mal. Fait mal, la vitesse. Mais sinon, brave, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas dégueu. Voilà, au pire, si jamais je change d'avis, on peut le prendre off. Hein. Je le prendrai en off si je change d'avis, mais je pense que ça changerait. Tyrannosif est plus intéressant. J'ai pas l'âge pour entrer dans le casino, je suis deg. Donc ils autorisent les âges pour. Bah, c'est les âges dans les casinos maintenant. Alors, dans un jeu normal, le casino peut entrer à n'importe quel âge. Hein. C'est plus logique. Alors, Bekika, on va prendre une. Et voilà. Toujours pas de Bessitrus. Ok, ouais, donc il y a bien une limite d'âge pour les casinos, c'est plus logique, je trouve. Alors, on va pouvoir visiter en face cette ville. Alors, Valsecas, tu vois le bâtiment avec des Pokéballs sur la porte, ça. Ce sont les immeubles des habitants, le reste des buildings, des hôtels et des sièges entreprises. Corrigir, oui, bien sûr. Il est encore, il y a quelques minutes. Un Roucoul, d'accord. Un Nabi. D'accord, ok. Donc c'est vraiment une ville qui commence à Las Vegas. Hein. C'est Valsecas, Las Vegas. C'est inspiré, c'est sûr. Je voudrais bien rentrer dans les casinos, mais comme je suis mineur, je me fais enfler. Ouais, d'accord, c'est vraiment autorisé. C'est vraiment pas autorisé. C'est le casino de Resident Evil clientèle, vous êtes trop jeune pour rentrer. Trop dur son Pokémon. D'accord. Ok. Ma gueule, tiens toi. En fait, on peut pas avoir accès à grand nombre de bâtiments. Si je suis pas de bêtises. Peut-être qu'ici on y a accès, je sais pas. Il y a quoi ici? Tiens toi. D'accord, ok. Le chenal 11. Il est où le chenal 11? On va voir ça sur la carte. Le chenal 11. Ah, il est là. Alors, j'irai pas en off, parce que c'est pas le plus important, mais il me semble pas avoir récupéré le scanner. Hein. Attendez. Mon dieu. Ah. Ok, bon, bah écoutez. Je trouve ça en off, hein. Pas trop envie là. Ouais.
Attendez. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Écoutez, c'est plutôt cool, hein. Ça me semble plutôt pas mal comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, pas comme ça, non, c'est bizarre plutôt. Alors, améliorateur, d'accord. Ça me semble plutôt pas mal, ça, on va faire ça, là, tiens. Je sauvegardais pas au cas où, ça serait un peu inconfortable. Mais ça me semble plutôt pas mal. Oui. Ouais, mais de toute façon, j'ai mes objets, je peux avoir ça. C'est pas un problème. Ouais. Ok, j'ai pas les Pokémon nécessaires pour ce voyage. Bah voilà, c'est un Pokémon, on va prendre des Pokémon qui vont vraiment voler ça, parce que je pensais que les objets allaient suffire en fait. Parfait, prends cette oreillette, ça marche. Ça y est, ça marche, parfait, prends cette oreillette pour communiquer avec moi, ainsi je te guiderai. Allez, c'est parti. Ah ouais! Wouah! Sérieusement? Incroyable. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller voir notre mère, c'est ça? Pas notre mère. Attendez, c'est ça ou pas? J'ai besoin de Lucia, ouais. Dans le PC, y'a quoi? Y'a la potion ou pas? Ah, je suis PC. Ah, super Nintendo! Oh, c'est. Ah, ouais, c'est bien ça! C'est de ça qu'on fait des retours dans le temps. Johto, puis ça. Bon, on va aller voir le professeur Shen du coup. Ouais. Ok, donc les deux assistants, c'est vraiment le même truc. Tiens, salut. Lucas entraîne ton Pokémon au combat pour qu'il devienne fort. Mais la team, c'est la même ou quoi? Ouais. Bah, on peut aller dans le nord là, du coup, j'imagine. Hein. On doit aller au nord, non? D'accord, et comment on fait du coup? Ah, vous utilisez Volt, j'imagine. Donc le truc a complètement bugué. D'accord, ok, bon, au moins on sait qu'on doit utiliser surf. Hein. Bon, je pense que je vais réussir, hein, parce qu'on peut rien faire. Pas de combat, on dirait. Ouais, bah, de toute façon, je crois qu'à part à la GTL, on a pas trop le choix. Hein. Je crois pas trop l'objectif de cette expérience, c'est Corsair avait un truc à faire, là, y'a rien à faire. Je sais pas, y'a rien quoi acheter là. On peut pas acheter un truc ici ou quoi? Non? Ah, on peut pas acheter forcément.
Est-ce qu'on peut aller à la Ligue? Ce serait marrant. Vous savez, imaginez, on peut aller à la Ligue. Donc si quelqu'un a fait cette expérience, qu'il me dise à quoi ça sert, parce que je pense que je saurais pas. Ouais. Tiens. Ah ok, je crois que c'était un mec qui fallait parler. J'espère que c'est pas le fait que ma ROM a bugué, ça empêche de faire l'expérience, imaginez ça. J'espère pas, hein. Tiens, qu'est-ce que tu me dis? Non, mais on sait, purée. C'est bon qui coule, voilà. Ok, nice. Ouais. Ouais, mais ils sont faux, aussi. Ok, vous pouvez me parler, lui? Ouais. Ok. Je comprends pas le but du truc, là. C'est un peu chiant, même. Vous voulez qu'on cherche à gagner, c'est ça? Mais, par contre, l'équipe, je comprends pas l'équipe. C'est un problème. J'ai pas trop bon, en fait. Bah oui, j'ai le jeu. Évolue plus volontiers que même notre référent. Ouais, enfin, ça sent un G. Hein. C'est dans le passé, excuse-moi. Qui du coup mon Pokémon, hein, ouais. Bon, bah y'a rien ici apparemment. Ah, ok, c'est là qu'il va falloir aller, j'imagine. Vive comme les flammes, donc l'arène est fermée, j'imagine. Voilà, ok, donc c'est toi qui veux parler, j'imagine. Par un fossile entre les condamnés, il semblerait que des augmentations génétiques plus que louches aient été menées dans ce bâtiment. D'accord, mais donc. Est-ce qu'on peut faire surf? Non, pas. On peut pas faire ça, donc du coup on est bloqué. On peut peut-être utiliser vol, non? Je sais pas. Non? On peut utiliser vol, d'accord, c'est super. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon bah écoutez. Puisque je ne sais pas ce qu'il faut faire, bien je ne ferai rien. Allez, on récite et puis voilà. Je crois que c'est un truc sans rien faire. Mais par contre, comment pour quitter ce truc de merde là? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse d'ailleurs. Vous avez vu ça, ça a bugué. Je me demande si c'est parce que je vais faire. Je pense pas qu'il y ait une quête spéciale à faire ici. En tout cas, moi je vous dis que tout simplement, bien, on visite ça de calme. Hein. De toute façon, il n'y a rien à faire, donc voilà, ça sert à rien de persister. Voilà. Vraiment pas compliqué. Si c'est ça, si c'est. Je pense qu'on peut y aller. J'imagine, c'est le casino, de toute façon, on peut y aller. Alors, ici, j'imagine qu'on peut y aller non plus. Tiens, ici, y'a quoi? Ah, il parlerait pas de silver pour l'instant. Yop. Villa Cambris, non. C'est la prochaine ville, là, c'est ça?
Je confirme, j'avoue que la ville est particulièrement immense. Après, il y a beaucoup de bâtiments qui sont interdits d'accès. Mais c'est complexe, ouais. Là, par exemple, celui-là, il est interdit. Ouais, bah, c'est des petits malins. Ouais. Ah, mais arrête de me conduire son Pokémon. Je sais marcher tout seul, quoi. Bordel. En fait, il y a plein de bâtiments qui sont interdits, hein. Genre, tous ceux-là, ils sont interdits, j'imagine. Salut. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la ville là parce que tous les bâtiments doivent être interdits. Celui-là aussi est interdit, j'imagine. Voilà. Voilà. Ça, c'est le casino. Il y a plusieurs casinos aussi, hein, c'est impressionnant. Bah écoutez. Écoutez. Tu vois, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, d'accord, merci, c'est un bon jeu. Je m'habille un peu comme une merde, tu vois. Je suis pas un individu de marque. Voilà. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. Y a pas d'arène ici ou quoi, là? Attends, ça me semblerait logique qu'il y en ait une. Ah bah si, il y en a une, voilà. Voilà, il y en a une. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans cette ville, c'est incroyable. Je me souviens pas si je t'ai parlé, toi. Bah, j'ai pas parlé, elle. Mais en fait, j'ai pas tout visité. Toi, je t'ai parlé ou pas? Mais j'ai pas parlé à tout le monde, c'est incroyable. Voilà, merci. Merci de me conduire son Pokémon. En fait, à chaque fois, le mec qui me conduit son Pokémon, c'est lui que je me perds. C'est incroyable. C'est hallucinant. Toi, je t'ai pas parlé. Bah, quoi, la type là, j'ai envie de la grosse. Ok, donc, les photos, ma vie là, Cambrice. Merci de l'info. C'est le tuyau. Du coup, j'ai perdu à nouveau l'arène, merci de m'avoir conduit son Pokémon, c'est super. Ah bah, elle est là, ok. Edison, joueur amateur et professeur de Pokémon électrique. Ok. C'est plus cher quand elle est d'elle. Bon, on se retrouve devant l'arène une fois que j'ai pris ce qu'on pose. Heureux, c'est officiel, je n'aime pas cette ville, là, pour s'y retrouver, c'est compliqué. Mais nous voici devant l'arène, on va donc sauvegarder parce que au moins, comme ça, je serai tranquille là. La musique est plutôt stylée par contre. Je l'avoue. Mais alors par contre, laissez tomber pour s'y retrouver, c'est compliqué. Bon, on va commencer un peu l'arène. Parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec ces bêtises de retour dans le passé là. D'ailleurs, je pense que je ferai un peu montage tout ça parce que c'était un peu long. Donc du coup, voilà. Ok, salut. Comment ça se passe? Salut, je viens de savoir que particulier de cette arène. Je vends des jetons, tu en auras pour rien à faire. Ah oui, d'accord, ok. J'ai pas compris par le fonctionnement de cette arène, mais bon. Alors, phare en plus, d'accord. Même niveau 50, je sais pas suffisant en fait. Hein. Casse-brique, ouais, rugoulement, allez. Voilà. Ok, merci. La vitesse extrême. La vitesse extrême quand même. Hein. Mais t'as quoi? Mais tu te fous de moi ou quoi? What? Mais c'est sérieux là? Quand je joue machine, je pense. 11200. Ok. Tu vois, tu sais, tu vais? Tu vais? J'ai l'impression que ma ROM bug de plus en plus, ça me fait vraiment chier parce que c'est pas normal ça. Donc re. Ah ok. Bah, j'espère juste que c'était un bug qui est courant tout les ROM parce que j'ai l'impression que ma ROM bug de plus en plus et j'aimerais bien finir le let's play quand même. Ça me fera un peu chier de recommencer. Pour être tout à fait franc avec vous. Évidemment, je mis ça, là je le confus. Ah non. Toi t'es que normalement tu résistes pas.
des Pichu pas non plus poussés. Raichu. Ok, on va switcher sur Arcanin. Voilà. Alors ensuite, le suivant, c'est Pikachu. On doute un peu. La vitesse extrême, voilà. Oups, j'ai rien capté. 11 000 Poké-Dollars, est-ce que ça va bugger le sympa? Ok, non, c'est pas. Mais elle est où la boîte de jetons? Est-ce qu'on a besoin de... Bon, on va... Moi, ce que je propose, c'est qu'on... passe tous les dresseurs avant. Hein. Bah... ouais. On va utiliser les voisins et les Pokémon, là. Mais... j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de... spécialement de... Enfin, je sais pas, en fait. Ça, oh yeah, voilà. Alors, c'est parti. Toi, tu me prends, hein? Tu sens seul dans la maîtrise, sans la maîtrise, ça sert à rien. Mais, Elex Prince, ouais. Par contre, on m'est retrouvé dans cette arène. Bonne chance, météore. Allez, éboulement, lance-flamme, ouais. On va faire ma chouille parce que, voilà. Ok. Magnéton. Allez, canicule. Voilà. Et Elexprint, ça va faire ma chouille. Ok, merci. Ok, c'est normal, c'est normal. Oui, l'avantage est mis au type sol, hein, donc forcément c'est sien. Allez, toi tu vas télékinésie, voilà. Je me passe à rien. Ok. Donc comment ça se passe ensuite là? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je suis mon équipe, parce que je suis certain de l'être. Eh bien, je vais essayer d'avoir des jetons. Si c'est pas possible, eh bien. Bien, l'épisode s'arrêtera ici, voilà. Et je chercherai en offre comment on peut avoir la boîte de jetons. Alors. Ok, donc on n'a pas de boîte de jetons. Donc je cherchais vite fait comment on en obtient. Je cherchais vite fait dans la ville si on peut en obtenir une. Et si ce n'est pas le cas. Eh bien, simplement, on s'arrêtera là. Donc, à tout de suite, les gens, dans tous les cas, à tout de suite. Ah, bah, ça y est, je suis allé juste dans la maison en dessous. Et voilà, j'avais la boîte de jetons, était là. Ok, les gens, c'est cool. Bah, écoutez, c'est bien, hein. Comme quoi, j'ai pas tout visité, hein. Vraiment tout visité. Écoute, toi t'as pas tout à me donner. De Sin City, d'accord, il y a même une réplique avec panneau à l'entrée de la ville. C'est déjà plutôt la Vegas. Après, voilà. Cette façon de prendre même pas la peine de te parler tellement elles sont humiliées par le jeu. Ok, bon bah écoutez, on va pouvoir retourner à l'arène. Qu'est-ce qu'il avait sorti, le gars? La mise était de 2000 jetons, c'est ça? Je sais plus quoi là. Écoutez, c'est ce qu'on va faire, hein. S'emmerder, time. Ok, merci, c'est pas bon endroit. Je le sais. Cet épisode est très très spécial. C'est un épisode un peu space. Cela aura mes bugué. Donc 2000 jetons, t'avais dit. Donc j'en achète pas mal.
Purée, je me suis fait avoir. Voilà, putain, mais ça me coûte de l'argent, c'est connerie. Hein. Voilà. Non. Voilà, donc toi t'es là. On va sauvegarder parce que je peux perdre le pari. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui m'attend, mais elle risque d'être complexe, donc j'ai aucune envie de perdre mon pari. Donc du coup, je préfère sauvegarder avant si jamais vous êtes passant. Mais je te pire, ça coûte cher. Allez, non, putain! Non, mais par contre, tu vas te faire enculer là. Sous moi, quoi. Alors, on va prendre l'extérieur cette fois. Allez. Ok, c'est toujours l'extérieur qui gagne, c'est bien. D'accord. Ok, nickel. C'est bien, tu vas bien pêcher. Ok, donc ça continue, purée, c'est complexe. Hein. Ouais. Le champion fera un épisode prochain. Aussi pis. Comment bah, ils ont tous rayon signal en move de secours. Et comment voilà. Et Negapi. Alors, on va utiliser le Lememe. Voilà. Et maintenant, on va se taper des mouvements. Voilà, allez. Presque niveau 50, c'est. Ok, ok, t'étais bien préparé. Bah oui. Ouais. On va utiliser le MME. On va en racheter. Je vais en racheter en off, je pense, du MME. Voilà. Parce qu'une fact est puissant dans cette arène. Hein. On va pas se mentir. Ah oui, d'accord, je suis juste là. Il reste plus. Grand chose. Hein. En fait, du coup, l'arène, ok, la boîte de jetons, c'était juste. Je vais voir si c'est possible. Ok, nickel, allez. Je suis le dernier rempart avant Edison, tu vas galérer. Ok. Ok, ok. Rocker, 4 Pokémon, d'accord, Volter, ok. On va taper Mania. Explosion, d'accord. Bon, je vais résister, je suis un type. Prendre 30 PV grand max. Ah, plus que ça en fait, 50. Ok. Niveau 50 pour Infect. Alors, la suite. Magnéti. Magnéti. On peut mettre Arcane. Ah, d'accord, c'est tous explosion en fait. C'est bien. Electrode. 2. Alors, Electrode, c'est Infect. Voilà. Ensuite, ça va faire Machouille. Voilà, Explosion. Et là, il a résisté, c'est très bien. Et le dernier, c'est Magneton, j'imagine. Hein. Ouais. Alors, niveau 54, par contre, c'est pas mal. Hein. Là, par contre, on va envoyer Canin. Et on signale, ouais, mais Canicule, et voilà. Niveau 51, j'espère pouvoir Canin, c'est très bien avant le match. Je suis contre le champion. Voilà, c'est bon. Voilà, allez. Ah non, dommage. Bon, bah en fait, t'as pas eu de mal, ouais. Ok. Edison est vraiment un grand champion, je l'admire beaucoup. Eh bien, Edison, mon cher Edison, te voilà. En tout cas, on s'arrête ici, les gens. J'espère que cet épisode vous aura plu. Très spécial cet épisode, ma foi. En tout cas, j'espère que vous aura plu. Si c'est un pouce bleu, pouce bleu, c'est toujours un plaisir, pouce en l'air, commentaire. Et bien, moi, ce que je vous dis simplement, c'est qu'on se retrouve dans le numéro 21 que je vous tenais dans la d'affilée là. L'épisode 21 pour moi, c'est tout de suite. Dès que la pompe, puisque j'ai envie de faire le champion et affronter le 6ème badge. Les gens, puisque je suis bien patient, j'aime beaucoup ce jeu.
donc je me retrouve, moi je vais faire l'arrêt tout de suite, et pour vous ce sera dans quelques temps. En tout cas d'ici là, portez-vous bien, et c'était les Câbles West, ciao bye tout le monde.